Bonjour, 3 minutes sur un concept assez basique, la complexité. Un concept qu'on rencontre beaucoup ces derniers temps, où des émergences systémiques s'intéressent souvent en effet aux complexités. On voit ça aussi bien dans les théories de l'information, les approches sociologiques, les sciences dures, plein de complexités différentes issues de champs différents. Je ne suis pas un spécialiste d'aucune de ces approches, donc pourquoi je parle de complexité? Parce qu'à mon avis, du point de vue politique aussi, c'est un concept qui est hyper important. Au sens où, de toute façon, aujourd'hui, oui, le réel est complexe, je suis face à des choses qui sont complexes. Comment faire, comment jouer avec cette complexité sans me laisser déborder, sans avoir l'impression que c'est trop compliqué? Alors, complexe. Compliqué, c'est pas les mêmes mots, c'est deux mots très différents et c'est important d'avoir bien l'idée de ce en quoi ils sont différents, en tout cas de en quoi ils peuvent être différents. Je prétends pas non plus, c'est pas des définitions forcément absolument tranchées, qu'il faut toujours dire les choses comme ça, etc. Mais malgré tout, je trouve que c'est intéressant de voir que la complexité, du latin cum plexus, donc cum avec, plexus le nœud. Donc nouer ensemble, tisser ensemble toutes les choses qui sont reliées les unes aux autres, et ben il peut y avoir un agencement, un truc complexe, mais avec beaucoup d'éléments simples finalement, ou des grands mouvements, des grands courants, des grandes énergies, et donc je vais pouvoir percevoir, même si ça reste très complexe, je vais pouvoir percevoir des directions, des grands ordonnements, enfin du coup je vais pouvoir comprendre quelque chose dedans. Et le fait de parvenir à trouver la simplicité dans la complexité, ça s'appelle la simplexité. C'est un concept qui a été développé ces derniers temps. Bon, moi je trouve pas hyper utile. En fait, le complexe, les choses complexes, non, ce qui est important de se rappeler, c'est que ça n'empêche pas que ça reste simple. Ça peut être et simple et complexe. Bon, bah, peut-être pas exactement, en fait, complexe. Normalement, un agencement d'éléments simples, beaucoup d'éléments simples. Donc, qui crée une complexité. C'est quelque chose de complexe, c'est pas forcément. Enfin, rien n'est simple en fait. Tout est toujours complexe. Mais je peux percevoir les choses complexes comme étant simples, sans me compliquer la vie. C'est-à-dire sans me dire, oh, c'est trop compliqué, oh, j'en ai marre, c'est compliqué. Compliqué, qu'est-ce qui complique? Qu'est-ce qui nous complique? Compliqué, il y a l'idée de réplication, dupliquer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut être en soi déjà complexe et qu'on va dupliquer, qu'on va mettre côte à côte. Et puis, on va nous obliger à faire des trucs qui nous ennuient parce que voilà, et alors là, du coup, ça devient compliqué. Donc, nous, les humains, nous sommes très forts pour réussir à compliquer les choses. La nature, assez simple pour complexifier, tisser ensemble, relier. Voilà, donc c'est un concept élémentaire de systémique et c'était important pour moi de partager ces quelques mots sur cette notion, même si c'est très élémentaire, vraiment basique. C'est avec les choses simples et élémentaires que nous pouvons rentrer dans une forme de complexité, une compréhension de la complexité. Merci. Adieu, à tout de suite.